le but, en fait, de regarder un petit peu quel type de mécanisme intuitif sur lequel on fonctionne, ça permet de mieux connaître ce qui nous anime et comment ça nous anime. Parce que, comme on va le voir, l'intuition n'est pas du tout liée à la forme, au corps mental, il est lié à une inspiration qui vient directement de la conscience individualisée que nous sommes. Donc, c'est comment créer ce lien permanent de communication avec notre être-té. Et plus on va se mettre dans ce contact, plus on va s'apercevoir que la pensée, qui est quelque chose qui est conditionné par notre éducation, par notre génétique, par l'endroit où on vit, etc., par nos parents, etc., on va s'apercevoir que c'est quelque chose qui est cristallisé, qui est un enfermement et qui nous empêche cette liberté auquel on aspire tous. Donc, l'intuition, le but de l'atelier n'est pas d'en faire un concept mental, mais de regarder de quelle manière je perçois, de quelle manière je me sens au plus juste avec moi. Donc, effectivement, ce que tu dis correspond parfaitement à ça, bien sûr. C'est essentiel parce que trouver la paix, trouver l'harmonie, ça passe en fait par un moment où je vais finir par être conscient que je ne sais rien. Je suis un ignorant. Mais étonnamment, cette ignorance, elle ne provient que de la connaissance. Tant que je ne comprends pas ou je ne perçois pas ce que je suis, je ne peux pas rentrer dans l'ignorance. Et pour cette ignorance, il faut savoir effectivement comment je fonctionne, d'où vient effectivement ma capacité de m'adapter. Est-ce qu'elle vient d'un schéma mental codifié ou elle vient de quelque chose de beaucoup plus subtil? Et quand je perçois que ça vient de quelque chose de beaucoup plus subtil, je peux m'abandonner à ça. Et c'est à ce moment-là où je peux accepter qu'en fait je suis ignorant et que l'ignorance, c'est ce qu'il y a de plus paisible que qui soit pour un être humain. Et c'est en ça où l'intuition, elle est. Parce que l'intuition, elle porte plusieurs noms. On peut l'appeler aussi inspiration. Et j'aime bien le mot inspiration parce que inspiration, ça montre que c'est quelque chose qui vient. L'intuition, on a l'impression que ça reste encore quelque chose qui est lié à notre volonté, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, on laisse cette inspiration fonctionner, on n'a pas à chercher la porte. La porte se présente à nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout simplement. Et c'est dans ce relâchement que se met en place tous les éléments et toutes les choses qui correspondent au choix de la conscience individualisée dans l'incarnation. Elle sait ce qu'elle vient vivre, elle sait ce qu'elle attend. Et nous, on découvre en tant que personne, au fur et à mesure, le chemin qui se découvre. Mais ce chemin, il est déjà tracé. Donc, si on marche avec confiance et insouciance, tout va bien. Parce que la peur n'a jamais empêché quelqu'un de mourir, mais elle l'empêche de vivre. Ça, c'est bien certain, Vous voyez? On peut facilement être pris dans nos habitudes, qui sont à la fois confortables, hein, et qui sont dans une certaine tranquillité. Et quitter ces habitudes pour sortir de sa zone de confort, c'est souvent vachement important, quoi. Ça nous oblige de voir différemment, d'entendre autre chose, et surtout, ça permet de comprendre que on ne se connaît, on ne se reconnaît que dans la relation à l'autre. Et donc, c'est important, effectivement, dans l'échange, le partage, la remise en question,
pas la remise en question fondamentale, mais simplement de, d'ouvrir notre, notre conscience d'une manière plus large. Donc pourquoi je viens ? Je viens parce que je viens chercher une nourriture, non pas une nourriture extérieure qui va me remplir, mais une reconnexion. Voilà, plus que le thème lui-même, non pas que je n'accorde pas d'importance à ce thème, mais j'entends bien. Mais au-delà du thème, c'est une reconnexion. Je suis venue donc l'année dernière, je suis venue chaque fois que j'ai pu. Et ça m'a beaucoup nourrie. Et c'est un moment, ces journées-là, ces ateliers-là, pour moi, de revenir un peu dans son axe. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est effectivement ce que vous dites, c'est, je perçois bien le sens que vous donnez, c'est pour vous cette occasion d'être qu'avec vous-même, d'être dans cette tranquillité sans contrainte. Et dans cette tranquillité sans contrainte, ça vous met dans une paisibilité intérieure. Mais, effectivement, tous les thèmes que j'aborde ne sont qu'un prétexte à la connaissance de soi, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que, très souvent, je m'éloigne du thème. Parce que l'important, c'est pas le thème, c'est vous. Et uniquement vous. C'est-à-dire de pouvoir faire l'expérience de réellement ce que vous êtes. Et tout le but de mes ateliers, c'est de vous faire partager ce que moi-même j'ai vécu et en suivant le chemin qui m'a permis aussi de vivre ces ouvertures. Et ces ouvertures ne se sont pas faites dans une volonté, elles se sont pas faites par un combat. Elles sont peut-être, et j'ai pas la réponse, elles sont peut-être le résultat de toute une recherche pendant longtemps, peut-être pas. Mais simplement, c'est que c'est accessible. Et c'est accessible pour tout le monde. Et c'est faire l'expérience réellement de la réalité, de qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce mental, toutes ces peurs, toutes ces angoisses qui nous font vivre dans une illusion qui est douloureuse. Et c'est se libérer de ça. Je voudrais juste rajouter, tu as dit, c'est venir ici, c'est être avec soi-même. Perso, j'ai envie d'ajouter, je suis avec moi-même et dans une configuration avec les autres. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire. C'est aussi notre miroir. Non, il n'y a pas d'autre. C'est ça que je suis. C'est pour ça que je dis être avec soi-même. Soi-même, c'est tout ça, c'est toutes les personnes, c'est tout ce prisme. Comme j'avais dit une fois, quand un guide, je demandais à un guide, c'est quoi la vérité ? Et la réponse m'avait été donnée, c'est l'ensemble de tous vos mensonges. C'est-à-dire qu'en fait, on possède chacun une petite parcelle. Et si on veut s'approcher de la vérité, on doit accepter la vérité de l'autre. Et c'est la somme de tout ça qui représente la conscience, qui est, comment dire, dans de multitudes de formes, mais qui est une. Et être dans le groupe, s'ouvrir au groupe, s'ouvrir à l'égrégore, c'est s'ouvrir au 1.